Mele cógelo, mele cógelo, al niño se lo ve. Mele cógelo, mele cógelo, hello, hello, al niño se lo ve. C'est quand 18 ans, c'est pas possible. Hein? Il faut 40 ans, au moins. 40 ans, au moins. Bonne arrivée. Merci, papa. Qui t'a parlé ici et pourquoi on est là ce matin? J'ai une dame qui est en Angleterre. En Angleterre? Oh, oui. Wow. Je ne la connais pas. C'est une ancienne voisine à moi qui est là-bas aussi. Et comme et les gens ils aiment critiquer. Ils aiment critiquer. Là-bas aussi. Oui, oui, mais c'est pas toujours mauvais, quoi. S'il parlait des artistes, oui. Et puis quelqu'un a parlé de moi. Et l'autre dame, mon ex-voisine, a dit, mais je la connais, c'est ma petite sœur. Bon, la dame à qui on parlait a dit, moi je pense que je peux l'aider. Je n'ai pas dit que je vais lui envoyer de l'argent, mais si j'ai son contact, je vais lui demander d'aller voir quelqu'un. C'est comme ça que pendant plus d'un mois, mon ex-voisine a cherché partout mon numéro de téléphone qu'elle a fini par trouver. Et puis la semaine dernière, elle m'a appelé. Elle m'a dit, il y a une dame ici qui veut te parler, quelqu'un parlait de toi, mais ce n'était pas de bonnes nouvelles et tout. C'est pour ça que je dis que critiquer, ce n'est pas toujours mauvais. Hein? Parce que si personne ne m'avait critiqué là-bas. Donc, elle a te parlé, et puis elle m'a passé la dame qui me dit, comment ça va et tout. Je dis, ouais, ça va. Elle dit, bon, moi, j'ai entendu parler de toi. Et je veux t'aider. Amen. Je dis, m'aider. Vous la connaissez pas? Non, je la connais pas, je l'ai jamais vue. M'aider? Elle dit oui. Bon, quand on vous dit aider, on pense tout de suite peut-être à. Surtout à l'argent. Surtout à l'argent. Surtout les papes. Toto, bon ami. Et puis donc, je reste. Je lui dis, ok, j'écoute. Elle me dit, il faut aller voir un homme de Dieu qu'on appelle Papa Florian. Je dis, Papa Florian? Elle dit, il a appelé oui. Je dis, oui, je suis allée là-bas une fois, mais je n'y suis pas retournée. Mais je sais exactement là où il prie, c'est tous les samedis. Elle m'a dit, il faut aller là-bas. Je dis, ah bon? Je dis, tu sais, moi... C'est pas que je ne crois pas en Dieu, mais aujourd'hui il y a tellement d'hommes de Dieu. Et puis parfois, je m'excuse, mais. C'est le business. Ouais. Wow. Business. Je suis passée dans des églises où, quand tu n'as pas d'argent, le pasteur il te regarde dans le corner, comme on dit. Et puis, l'argent. Et puis, moi, je pense qu'il y a un peu de cupidité dans tout cela. Elle dit, il faut aller voir Papa Flo. Il faut aller là-bas. Moi, je te demande d'y aller. Et puis, tu verras. Si c'est comme certains autres que tu as vus, tu le mettras sur ta liste, mais il faut y aller. Donc, elle dit, bon, pour bien faire les choses, je t'envoie un peu d'argent. Je t'envoie un peu d'argent. Et 30 minutes après, mon ex-voisine, ma soeur là, elle m'appelle pour me dire, écoute, on t'envoie un peu d'argent pour que tu payes le transport pour aller chez Papa Florian. Je dis, donc vous êtes sérieuse, hein? Et je dis, vous êtes sérieuse. Elle dit, oui, écoute, il faut que tu y ailles. Je dis, bon, ça vient de très loin. Peut-être que Dieu voulait que ça parte de là-bas. Il voulait me parler à partir de là-bas.
Donc je vais aller voir papa Florian. Et une de mes nièces qui vient ici, je l'ai appelée. D'abord, je suis allée à l'ancien site. On m'a dit, papa Florian n'est plus ici. Donc j'ai appelé ma nièce, on est venu ici, je crois que c'était dimanche. On a dit de repasser lundi. Lundi, j'ai appelé vers 10h. On m'a dit non, non, à 11h, c'est fini. Donc le temps que tu arrives ici, ce sera fini, il faut venir demain. C'est comme ça que je suis venue mardi et puis que j'ai continué de venir. Et je sortais de ma chambre sur une petite marche comme ça. Et puis j'ai glissé, mon pied s'est littéralement retourné. Ça fait très mal. Mais quand le Dieu de papa Florian a posé sa main dessus, j'aime le haut talon, je ne peux pas encore, mais. mais. Ça va. Ça va. Voilà. Merci. Merci. Pour ceux qui sont là, for those who are here, rappelle-nous ta chanson. Non. On va rendre gloire au Seigneur. Parce que avant de rendre gloire au Seigneur, on pense que tu venais avant. Par exemple, tu nous poussais là. Allons-y. Tu es mignon, il me voyait. Tu es griffé, mais moi je veux villa et voiture. Tu as le look, tu n'as rien à bouffer. Tes pouces sont petits, et moi je veux villa et voiture. Le gars, on fait moi. Je veux un photo, je veux un photo. Je veux un photo, je veux un photo. Je veux un photo, je veux un photo. Je veux un photo, je veux. Le gars qui est très fortuné, qui offre la voiture, qui offre la villa. Oui. Voilà, c'est ça le photo. Mais. Vous ne dirigez pas Bobo, hein? Non, pourquoi? Papa, on ne va pas Bobo, hein? À la Riviera, à la Bibi, à la Sipi. Voilà, à Bobo, là. Alléluia. Donne pour Dieu un bout. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Thank you.
n'abandonne pas les veuves et les orphelins. Souviens-toi de moi, Jésus. Oh!